Bonsoir. Bonsoir. Messieurs, bonsoir. Vas-y, je t'en prie. Comment allez-vous? Vous allez bien? Bonsoir, bonsoir, monsieur. Quoi? Vous voulez nos affaires? Oui. Je peux garder mon sac, moi. Ça va, allez. Hello. Ça va? Ça va? Vous voulez vous mettre à l'aise? Non, pour l'instant, on est bien. Moi, j'ai toujours un petit sac avec moi. C'est la première fois que. Et en même temps, je suis content de retrouver. Bonsoir. Oh, bonsoir. Vous allez goûter un truc, vous allez adorer. Ah ouais. Moi, je ne peux pas prendre n'importe quoi. Virginie, est-ce qu'on peut avoir des esquimaux d'huîtres, s'il te plaît? Alors déjà, je ne mange pas d'huîtres. Ah bah voilà. Première chose, c'est pas parce d'huîtres par hasard. Pourquoi? Un grand problème, pour plein de raisons. C'est politique, mais je ne peux pas en dire plus. C'est vrai, non? Non, c'est des régimes, tu sais, moi. Les gens ne mangent plus rien maintenant. T'as remarqué, entre les cachers, les feuges, les musulmans, les machins. Non, rien à voir avec... Le catholique mange tout, hein. Moi je mange tout. Le catholique mange tout. Non, mais... De l'hostie, surtout. Le catholique mange tout. Et même c'est comme, tu vois, ces boissons-là, je pense que ça va pas le faire non plus. Pourquoi? Et vous voulez pas qu'on annule? Ouais. Et qu'on fasse un truc un autre jour avec un menu qu'on aura décidé? C'est succulent. Non, c'est vrai. C'est bon, hein? Ouais. Crois, comment tu l'as bien vendu, refais-le. C'est succulent. Ah, merci, c'est quoi ça? Ah, ça, c'est une écarbe. You're welcome, my dear. Sens de laitue. Un autre flacon? Pardon. Alors ça, pareil, il me faut la composition, moi. Tout, les quantités, le dosage. C'est quoi, mademoiselle? Non, je rigole. C'est Olivier, un bouillon de laitue. Si, pardon, excuse-moi. Dans les yeux. C'est quoi? Bouillon de laitue. Bouillon de laitue. Ah, ça, par contre, c'est parfait, ça. Ça, c'est très, très bon, hein. Ouais. Ça te plaît, ça? C'est délicieux. Ah, c'est délicieux, ça. J'adore ce genre d'amuse-bouche. C'est pas dangereux, la glace carbonique, si on le mange? Non. D'accord. Non. C'est pas dangereux, c'est-à-dire? Parce qu'il y a de la glace carbonique. Non, c'est cancérigène, certes, mais ça. Tu as 3 mois tranquille. Voilà. Tu peux régler tes affaires, faire des papiers. Tu penses à de la soupe, un peu, non? Ah, c'est vrai que ça. Non, c'est bon. Ah, mais ça continue dans les mains, en plus. C'est drôle. C'est avec ça qu'on brûle les verrues, non? Ouais, c'est ça. C'est avec ça qu'on traite les verrues. Exactement. Et quand on n'a pas, ça t'en rajoute. Nom de Zeus! Déjà. Vous avez réfléchi un peu à ce que vous allez raconter sur le film? On va essayer de faire un truc assez court. On va essayer d'être concis, quoi, ce qui est compliqué. Concis, court. Le pitch, vous avez répété le pitch? Ouais. Ouais. Très c'est Olivier qui va le faire. Alors, on va le répéter. Là. Non, on l'a répété. Il est vachement plus simple que Pavé Naro. C'est deux civils qui, après un concours organisé par le gouvernement français, gagnent une semaine dans l'espace avec des professionnels. Donc c'est presque d'actualité, parce qu'il y a des mecs qui se payent des voyages en espace. Prochainement, il y a Branson, le mec de Virgin, qui va organiser, tu sais, avec son avion... Parabole. Non, c'est plus que ça. C'est des suborbitaux pendant 20-30 minutes d'apesanteur. Ça coûtera 120 000 euros. 120 000 euros, tu peux être en empoisonnable. Ouais, ça commence à être raisonnable. Donc ça veut dire que dans les 20-25 ans, je pense qu'à 10 000 euros, tu pourras envisager l'histoire, quoi. Donc le film parle de ça. Il parle de deux civils, et c'est une comédie. Voilà. Ça se passe mal, arriver là-haut. C'est un ticket pour l'espace. C'est un petit ticket à gratter, comme le Morpion, le Banco, enfin... C'est très français, finalement, ça. Ils vont dans une station orbitale, et le mec prend la station orbitale en otage. Un des deux gagnants va prendre la station orbitale. Pour régler ses comptes, ouais. Ça se passe très mal. C'est Cal qui va faire ça. Non. Enfin, peut-être. Il faut aller voir le film. D'abord, les deux gagnants, c'est pas Cal et Olivier. Là, maintenant, on ne pourrait pas qu'on dîne avant. Si, si tu veux. Ouais. Ouais. Et l'acteur principal est bourré de toc. Ouais. Comme quoi, tu vois. C'est la mode, les idées qui sont dans l'air.